Hey, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la série comme tous les dimanches, American Truck, donc SES le trucker, c'est Bibi. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui viennent nous rejoindre au cas où. Pour le coup, aujourd'hui, on va prendre ce joli camtar que vous voyez là, juste là, derrière moi, là, par là, par là, 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 voilà. Donc du coup, on a une triple remorque. Hein. Donc on va transporter du bois, du beau bois, du beau bois, du beau bois. Hop, on démarre le camtar, la sortie se trouve quelque part par là-bas. Hop. Allez, c'est parti, roule ma poule. Donc j'espère que pour vous les amis, ça, tout va très bien. J'espère que votre semaine s'est très bien déroulée pour le coup. Moi pour ma part, la semaine s'est très bien passée. J'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai pu, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai pu commander mon volant, donc à l'heure qu'il est, vu que je tourne évidemment en avance la vidéo. Donc la vidéo que vous voyez aujourd'hui. Pour le coup, j'ai peut-être eu mon volant, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Normalement, vous avez une vidéo pour vous dire, enfin, pour vous présenter le G29, donc malheureusement qui ne possède pas pour l'instant le levier de vitesse, le levier de vitesse qui va avec. Donc pour l'instant, je pense que je vais pas faire, voilà, je vais faire 100, tant pis, hein, c'est pas grave. Voilà, j'étais trop pressé d'avoir un volant. Et pour le coup, je vais pouvoir vous le présenter, on va pouvoir le regarder ensemble, on va pouvoir le brancher ensemble et le tester, pourquoi pas, si j'ai le temps. Mais ça reste à voir. Merde. Ça reste à voir. Simule la clignoterie, le clignotant. Passeport rouge, passeport rouge, passeport rouge, merci. Donc pour le coup, là aujourd'hui, on va aller. Donc on va se rendre. Je sais même pas où est-ce qu'on va se rendre, les amis. On va regarder tout de suite. Carte. Alors, sur la carte, on se rend. Alors, on part de Melfort, de Medford. On part de là-bas. Et on se retrouve. On se dirige en direction de Ungen. Donc je sais pas si je le dis, si je le dis normalement, enfin si je le dis correctement pour le coup, ça je sais pas, mais bon je pense que c'est à peu près dans le même sonore. Bah, après j'ai pas non plus les accents, l'accent américain pour le coup, même si j'essaie de le faire, vous voyez, l'accent américain, voilà, donc j'y arrive que dalle, j'y arrive pas du tout, pour le coup, voilà, quoi. Alors, je sais pas ce qui sonne. Une bombe, une bombe. Poum! Non, pardon. Non, il n'y a pas de bombe. Il n'y a pas de bombe, vous inquiétez pas. C'est non, c'est une blague, c'est une connerie. Pas de panique, on se calme. Voilà, c'est bien, c'est juste moi qui ai la super patate. Je carbure au café depuis ce matin. Et pour être honnête, je les compte même plus, mes cafés. Je les compte même plus. Voilà. Café avec la café. Le café. La licorne. Voilà. Trêve de plaisanterie. Donc pour le coup, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent en vidéo, il y a une série qui va s'arrêter, même deux séries qui vont s'arrêter sur la chaîne. Donc pour le coup, on va commencer par Le Forest des Boulets, parce que je pense qu'on a fait le tour, malheureusement. On a fait le tour. Donc normalement, vous avez eu le dernier épisode, si je dis pas de bêtises. Je dirais-je la bêtise. Ça c'est moins sûr. Donc normalement vous aurez une nouvelle série mardi. Je vous dis pas quoi, je vous dis pas sur quoi, ça sera la surprise complète. Je pense que ça va faire vraiment plaisir à beaucoup d'entre vous. Et j'espère même que je vais pouvoir atteindre un nouveau public avec ça. Pour le coup, j'espère que même on sera de plus en plus nombreux à être sur la chaîne. J'espère que les abonnés vont continuer à monter, parce que là ces derniers temps on a vraiment du mal à monter en abo. J'espérais atteindre pour le live dernier, donc pour le live de jeudi soir, j'espérais atteindre au moins les 570. Actuellement, là où je tourne, on est à 566. Donc beaucoup, voilà, je pense que c'est à cause des vacances, enfin à cause des vacances, à cause de l'école, les vacances approchent. Bon, on est en début d'année, on a bien entamé l'année quand même. On commence tous à être un peu fatigués, être un peu sur les rotules. Donc je pense que ça va revenir à la normale prochainement. J'espère que ça va revenir à la normale prochainement. J'espère que la troisième elle passe. Oui. Ouais. Oh, ça frotte. Ça frotte. Ça frotte. Aïe, 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 aïe. Oui. Oui. Bon, bah, au moins c'est sûr, de ce côté-là, j'ai plus de feu. Ça c'est clair et net. Alors j'ai un camtar qui arrive à pleine balle. Dégage de là. Pour le coup, ce que je disais, ouais, je pense que vous êtes très très nombreux à être très fatigués quand je stream
Ou alors en ce moment, j'ai peut-être pas forcément tous le temps de regarder les vidéos habituelles. Bah, après, j'ai remarqué qu'en vidéo, ça va, je reste stable quand même. J'ai remarqué, j'ai une légère baisse quand même de vues. Mais bon, je pense que c'est à cause de ça. J'espère que pendant les vacances de la Toussaint, donc dans une dizaine de jours à peu près, grosso merdo, voire même un peu moins, j'espère que ça va s'arranger. J'espère que vous serez plus nombreux à venir. J'espère que il y aura avoir des nouvelles têtes qui vont apparaître sur la chaîne. J'espère aussi que bah, sur Discord, comme beaucoup d'entre vous, enfin, pour une partie d'entre vous le savent, pour ceux qui me suivent sur Discord, il y a une modification qui a été faite donc pour le coup jeudi soir dernier, donc vous êtes obligé de passer par le règlement pour pouvoir accéder au reste du serveur. Donc il faut que vous lisez le règlement et ensuite que vous cliquez sur la réaction qui se trouve en bas de la page. Une fois que vous avez cliqué sur cette réaction là, vous avez accès à tout. Donc là je vais être obligé de vous dire les amis que il y aura quasiment pas d'excuse qui sera permise en cas de manquement au règlement parce que vous êtes obligé de passer par là. Donc si vous faites des erreurs, selon l'erreur, vous risquez d'être sanctionné tout de suite. Vous ne serez même pas visé, vous serez sanctionné immédiatement pour le coup. Donc du coup, à vous de respecter le règlement. J'ai pas trouvé le régulateur la dernière fois. C'était pas V. Non, c'était pas ça. C'est C, je crois, non? Si, c'est C. Voilà, c'est ça le régulateur, c'est C. Alors, pour le coup... Ah, là, je me range. Pour le coup, voilà, c'est les petites modifications. Après, le mode de fonctionnement du Discord, par contre, celui-là, il n'a pas changé du tout. C'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Mais par contre, voilà, c'est le règlement. Il était fait pour une chose. Oh putain. Voilà. Il était fait pour quelque chose. Il n'a pas été fait pour rien. Donc, si vous respectez pas le règlement, c'est normal que vous serez sanctionné. Après, la personne qui était sur le live hier soir, là, elle dit clairement. De toute façon, il était en vocal avec moi. Voilà, c'était mis en place. Après, il peut y avoir des choses automatiques qui peuvent être mises en place. Il y a des bots qui peuvent être mis en place supplémentaires pour faire la modération si jamais les modérateurs qui sont sur le Discord ne suffisent pas pour le coup. Mais du coup, voilà, c'est la petite parenthèse pour le Discord. Et également, donc du coup, je pense que vous êtes... Vous avez été quelques-uns à me demander différentes choses, surtout à propos des jeux. Vous avez été quelques-uns à me proposer des jeux, comme par exemple du Fortnite, du American Truck, etc. Enfin, du American Truck, du Euro Truck, ce genre de truc-là. Donc, du coup, voilà, je vais être clair là-dessus. Tout ce qui est Fortnite, ce genre de truc là, c'est niet. Ces jeux là, j'accroche pas du tout, j'aime pas du tout. Même Arcarty, ça me pique la gueule, même le concept, la mise en forme du jeu, j'aime pas du tout. Après, Euro Truck, c'est pas un jeu que j'aime pas, c'est juste que j'ai trop joué dessus. Et pour le coup, voilà, je me suis dégoûté de ce jeu là pour le moment. Donc peut-être qu'à l'avenir, ça viendra, peut-être que je vais refaire du Euro Truck. Peut-être que je vais y rejouer parce que pour le coup, sur la chaîne, je l'ai encore jamais fait. Mais pour l'instant, vous avez du American Truck qui remplace Euro Truck. Pour le coup, parce que je pense que voilà, American Truck a beaucoup d'enthousiasme. Je sais plus. Bah, c'est pas grave, vous m'avez peut-être compris. Ça va peut-être me revenir, hein. Je vais chercher en même temps, mais bon, voilà. Oula, je suis en excès de vitesse, chef. Donc du coup voilà, c'est des petits jeux de ce style, enfin des jeux comme Fortnite par exemple, ça c'est sûr vous verrez pas sur la chaîne, mais par contre des jeux comme WRC, ça vous pourrez le voir. Mode Runner, je pense que je le ferai, c'est pas sûr, mais je le ferai peut-être. Après, il y a d'autres jeux qui sont à faire, donc tout ce qui est dans la simulation, donc bus simulator, ce genre de conneries. Après, c'est possible que de temps en temps, il y ait des jeux d'arcade, comme par exemple, un peu comme GTA, ce genre de truc-là. Voilà, ça va être surtout, ces jeux-là, ça va être surtout en live. Ça sera pas en vidéo, je ne pense pas, parce que voilà, c'est surtout...
Ça va être surtout pour passer des moments de détente, entre guillemets. Voilà, passer des moments de détente. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai pas le temps de lire. Il faut que je me rende à un poste de péage. Alors j'aime bien par contre sur American Truck, le truc qui est marrant c'est que vous avez beau mettre des clignotants, en fait les gens n'en prennent absolument pas compte. C'est ça qui est marrant, c'est ça qui est marrant. Bon bah pour le coup moi je suis obligé de passer au péage, malheureusement. Je suis obligé de passer au péage. Je suis obligé de passer la bascule parce que je suis trop lourd. J'espère qu'en pro je suis bien. Alors les freins c'est quoi déjà? Cet espace. Alors poids brut 102 000 livres. Bon a priori il me laisse repartir. Bon, comme ça au moins ça s'est vu. Et toi mon gars, t'es dans le caca mon pote. Pardon. Donc pour le coup, donc du coup je disais quoi? Oui, American Truck, ça a beaucoup de... C'est ça quand t'as le mot sur le bout de la langue. On va dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dessus. Je pense qu'on peut approfondir un peu ce qu'on peut faire dessus. Il y a beaucoup de DLC qui sont sortis apparemment, donc je pense que tout ça va faire que ça va compléter le jeu. Et puis on... Non, c'était pas ça. Je sais pas pourquoi je joue trop à UTS. Enfin, je joue trop à farming parce que pour le coup, j'allais mettre le régulateur, j'ai appuyé sur 3. Tomé. Voilà, c'est pas grave. Bon, en même temps, enfin, du coup, pour le coup, on va passer donc à la minute. Enfin, la minute. Aux commentaires de l'épisode dernier. Donc du coup on va commencer tout de suite. Oups, pardon. On va commencer tout de suite par Tony Max. Tony Max, tiens, pour le coup je te vois pas souvent sur les vidéos, sur les lives. Je crois pas, à mon avis je pense que là ça fait quelques lives que je t'ai pas vu, je crois, mais je pense que t'as dû déjà passer au moins une fois sûr. Donc pour le coup tu m'as fait sympa la vidéo plus un like. Donc en tout cas merci pour ton pouce bleu l'ami, ça fait super super plaisir. Et si tu viens d'arriver, parce que j'ai quand même un petit doute, si tu viens d'arriver je te souhaite la bienvenue mon ami. N'hésite pas à me rejoindre sur les différentes pages, les liens se trouvent juste en dessous de cette petite vidéo là tout de suite. Donc du coup après on va continuer avec Jojo le dingo. Alors Jojo de Jojo, tu m'as fait ce coucou, super super vidéo plus un gros pouce bleu continue, j'adore tes vidéos. Alors bah pour le coup merci. Merci pour ton pouce bleu, merci pour ton commentaire aussi, ça fait plaisir. Franchement des commentaires comme ça j'en ai souvent et ça me fait vraiment très très plaisir. Alors on va continuer avec 50% bitume. Alors tu m'as fait toi bonjour super vidéo continue comme ça. Bah oui, bah merci beaucoup, ça fait super plaisir. Ça fait vraiment très plaisir, franchement j'ai beaucoup de commentaires comme ça, c'est vraiment c'est super. Donc du coup après on va continuer avec Kimi. Coucou GG, super vidéo comme d'habitude et un like de ma part. Bah merci pour ton like Kimi, comme d'habitude t'es super, t'es présente, t'es très très présente sur la chaîne. T'es là quasiment tous mes lives, même si des fois tu restes pas très longtemps, mais t'es quand même là, sur les lives. Et ça franchement ça fait plaisir. Donc du coup après on va continuer avec Dylan Agrippation qui m'a donné un commentaire un peu plus intéressant ce coup-ci, qui m'a posé même une petite question. Donc la question c'est: tu pourrais faire du multi? Alors du multi sur American Truck, oui ça peut être faisable je pense. Après je sais pas, je me suis pas trop penché dessus, mais je pense que oui. Et pour le coup j'attends que j'ai mon volant, parce que comme vous pouvez le voir déjà même en regardant le volant qui se trouve à côté de moi, voilà, ça se voit que je joue pas au volant, que je joue au clavier pour le coup. Et donc du coup voilà, donc oui ça sera faisable, mais je vais attendre d'avoir mon volant parce que je vais occuper toute une soirée à American Truck. Voilà. Je vais très vite en m'en dégoûter et puis je vais en avoir ras le cul. Donc voilà. Donc du coup après on va continuer avec Samandina qui apparemment qui commence à être de plus en plus présente sur les vidéos. J'ai remarqué ça. Mademoiselle, je trouve que t'es très très souvent. Après, je sais pas si c'est mademoiselle ou monsieur.
Oups. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci à toi pour ton like, ça fait super plaisir. Et franchement, moi, j'ai remarqué ça que t'es de plus en plus souvent. Je remarque que tu me laisses de plus en plus souvent des commentaires. Et ça me fait plaisir parce que ça montre que t'aimes vraiment le contenu de la chaîne. T'es là, c'est juste pas pour faire plaisir. T'es là parce que t'aimes ce que tu regardes. Et ça, franchement, ça me fait plaisir à moi. Je demande pas plus. Donc du coup, après, on va continuer avec Thomas. Alors, cette fois, qui m'a fait Thomas Multigaming, qui m'a laissé un commentaire qui fait 50 km. Donc du coup, faut que je fasse gaffe parce que j'oseur là. Alors du coup, il m'a fait salut GG, super vidéo. Attends, je vais sortir avant parce que ça sent la grosse connerie. Attends, on va aller sur la ligne droite plutôt parce que là, ça sent la grosse boulette. Là, ça sent la bouletterie GG encore. Donc pour ceux qui le savent, la bouletterie GG, ça c'est du hashtag LCS, donc pas touche. Non, je déconne. Mais voilà, c'est mon petit concept à moi quand je fais une connerie, c'est voilà. Parce que je trouve que c'est la petite signature de la chaîne. Ça peut être sympa, voilà, quand il y a une connerie, c'est du hashtag la bouletterie AGG. Je trouve que c'est marrant, c'est sympa. C'est pas c'est pas furiture. Voilà. Bon bah du coup je vais peut-être pouvoir lire ton commentaire, oui, parce qu'on a une ligne droite qui dure très longtemps. Alors pour le coup, tu m'as fait super GG, super vidéo. Non, tu m'as fait salut GG, super vidéo, c'est. Super vidéo, sais-tu que tu peux mettre la voix pour le GPS? Demande-moi si tu veux le mettre. C'est pour ça que j'ai choisi cette profession pour les paysages et tout. Alors pour le coup, Thomas, pour te répondre, oui, je sais qu'on peut mettre la voix, t'inquiète pas, je sais faire, hein, j'ai pas trop perdu la main avec ETS parce que le principe de fonctionnement est à peu près les mêmes pour le coup. Donc du coup, non, t'inquiète pas Thomas, j'ai pas besoin qu'on m'aide à ce sujet là, mais c'est très très sympa de ta part en tout cas d'y avoir pensé. Franchement, merci à toi, et je pense que tu as dû lâcher aussi ton petit pouce bleu comme d'habitude, et ça me fait super plaisir. Et on va continuer avec, on va finir plutôt avec Stéphane, le petit farmer charentais, qui me fait bonjour, super vidéo, gros pouce bleu, bah, merci pour ton pouce bleu, et puis salut à toi l'ami. Et bah pour le coup, voilà, c'était le dernier commentaire. Donc vous voyez, j'ai régulièrement des commentaires. Pour le coup, là, pour cette vidéo-là, j'ai eu 8 commentaires. Franchement, ça fait très plaisir. Tiens, il faut que je sorte là. Ça fait très plaisir. Bon, c'est vrai que les vues en ce moment sont pas énormes. J'ai que 92 vues pour cette vidéo-là. Bon, comme je vous disais, en ce moment, j'ai des baisses un peu partout. Donc voilà, je pense que c'est pendant les vacances et tout ça. Et après, je pense que vu que tout le monde sera moins fatigué, sera reposé. Je pense que ça ira mieux. Et pour le coup, voilà. Du coup, les amis, à force de parler, on arrive. Donc c'est ça qui est cool, les amis. J'ai un petit peu cet objectif-là pour cette série-là. C'est qu'en fait, que je fasse pas d'accélérer, tout simplement. Que je vous parle de sujets divers et différents. Que je vous lise un peu les petits commentaires que vous me laissez. Parce que ça fait très plaisir. J'ai cassé mon camion. Et merde. Alors pour le coup, à mon avis, avant que ça passe tout ça. Il va falloir la jouer sérieux. Et en fait, j'ai fait une connerie. Attends, on va mettre les warnings. Est-ce qu'on est serré dans cette boîte? Voilà, j'ai réussi à avoir le machin, donc on va aller se garer. Allez, paf, on va vite aller se garer. Alors pour le coup, ça fait 20 minutes de vidéo, c'est super, c'est génial, c'est parfait, c'est juste ce qu'il fallait. Oui, bah c'est bon, j'avance. Rejoignez l'emplacement prévu. Ok, j'arrive. Donc du coup voilà, j'ai un petit peu aussi cette petite envie de mettre un peu plus de vie dans les vidéos, d'être un peu plus énergique, d'être un petit peu plus speed. Voilà, parce que ouais, même si je suis déjà assez comme ça, mais bon, je trouve que c'est un peu plus sympathique, ça. Voilà, ça donne un peu plus d'énergie. Je trouve ça sympa, mine de rien, quand même. Ça change un peu de d'habitude. Voilà, on coupe le moteur. On appuie sur T-Man. Et bah, pour le coup,
Alors, du coup, la cargaison, excellente. Ok, alors, on a 7497$ plus 214$. Bon, bah, c'est sympa. 20, plus 25 d'XP. Donc, ça nous fait un total de 7711$. Bon, bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est très cool tout ça. Bon, du coup, les amis, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pour le coup, n'hésitez pas à la partager un maximum, à nous rendre visite sur les petites pages qui se trouvent, les liens en dessous. À nous rejoindre également sur Discord. Et n'oubliez pas la petite information que je vous ai donnée un peu plus tôt. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu qui va avec, le commentaire. Et aussi à vous abonner si cela ne l'est pas déjà fait. Sans oublier la cloche, un gling, gling, gling. Et sur ce, moi, je vous dis ciao!